Tupac Congo Sport, le sport congolais, dans toute sa splendeur. Tupac Congo Sport, le sport congolais, dans toute sa splendeur. Vous le savez, le préparatif des combinés Jeux africains 2015 prévus à Brazzaville, à ce qui concerne le tournoi de football, les Léopards Espoirs de la République démocratique du Congo, qui ont été battus à l'aller par les Hirondelles du Burundi en 0, se préparent minutieusement pour aller rendre la monnaie de la pièce et pourquoi pas chercher à ramener la qualification au pays. Et l'équipe a poursuivi sa préparation. Jean-Pierre Kadimangandou a été au chevet de notre 11 national. Après les interclubs de la Confédération africaine de football le week-end dernier, place à présent à la rentrée en sélection nationale pour ceux des Léopards moins de 23 ans retenus pour le match retour éliminatoire Jeux africains Brazzaville 2015 face aux Hirondelles du Burundi. Les protégés des Médards Loussadi sont repris du service. Ce matin, ils ont été sur la pelouse du stade Tata Raphaël pour les entraînements, bien qu'amputés, d'autres dont l'âge vient de dépasser les limites. En gros, il s'est agi d'un travail mixte, c'est-à-dire axé sur tous les aspects. L'état d'esprit est favorable, en tout cas pour que le joueur se sente bien. On les sensibilise, ils ont une lourde de responsabilité, on a perdu chez nous, et c'est pas normal, mais il faut se qualifier absolument. Et ça passe par leur concentration, par leur prise de conscience, par leur détermination et la volonté, et la qualité du travail qu'on est en train de leur proposer. Je pense que nous avons l'espoir que nous pourrons avoir un bel effectif et avec un bel état d'esprit dans le jeu. Un seul bémol trahit la vraie préparation. L'indisponibilité d'avoir tout l'effectif sous sa coupe prévient Loussadi Sou. C'est vrai que notre souci aurait été que, disons, notre souci c'est que nous aurions souhaité avoir tout le monde en même temps. Mais comme c'est, le match se déroule pas selon le calendrier FIFA, donc nos clubs, notre championnat ne peut pas s'arrêter non plus. Et donc tous les clubs aussi qui courent après les titres, après des résultats, ont besoin de leurs joueurs. C'est un grand handicap parce que j'ai du mal à voir tout le monde en même temps. Et j'aurais pourtant souhaité que cela soit le soir, surtout pour cette semaine du match. Il y en a qui jouent encore ce soir, il y en a qui jouent demain. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas venir parce que... Et on peut les libérer que demain, donc, alors que le voyage c'est jeudi. Qu'à cela ne tienne, le climat d'ambiance est bon. Comme l'a reconnu le capitaine de cette sélection nationale, invite le public en même temps à lui faire confiance. L'ambiance est bonne et on s'est vraiment entraîné pour jouer collectif et aller gagner à l'extérieur. Donc l'ambiance est bonne. La qualification, on va vraiment jouer pour ramener la qualification ici au Congo. Je dirais juste au public congolais d'être confiant de nous. Nous allons là-bas pour vraiment nous qualifier. Nous avons vraiment ces soucis-là. Nous ne pouvons jamais laisser cette génération passer comme ça. Donc nous allons vraiment pour la qualification et c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça qui puisse être vraiment confiant de nous. À noter que les Léopards vont quitter Kinshasa le jeudi prochain pour Bujumbura au Burundi en vue du match retour.